Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais appeler M. Matteo Grabo pour présider cette séance. Je déclare la séance ouverte et il vient ici pour, en tant que doyen d'âge, présider cette séance. Cher Albert. Que je vous accueille et je fais cela avec plaisir et honneur. Je vais dans un premier temps appeler, puisque vous avez devant vous le doyen d'âge, je vais appeler l'autre extrême, c'est-à-dire la plus jeune. Il s'agit de Madame Jeanne Henry. Je l'invite à venir à côté de moi pour siéger. Procéder en premier lieu à l'appel des conseillers départementaux dans l'ordre alphabétique afin de vérifier que le quorum est bien atteint. Apparemment, il ne devrait pas y avoir de problème. Lorsque je vais vous appeler par votre nom et prénom, et je vous demanderai de vous lever et de retirer quelques secondes le masque pour qu'on puisse vous reconnaître. Charlie Damien, Coral Gasperoni Christine, Bruno Stalev Jacqueline, Delaval Claude, Delphin Marie-Laure, Duvail Marie-Christine, Duvernois Magali, Pagano Ludovic, Chantal. Où ça? D'accord, merci. Guyon Jean-Luc. Henri Jeanne. Jacques-Mais Annick. Lucien Raphaël. Leroux Denis. Leroy Géraldine, Limvieille Patricia, Maillard Valérie, ah, j'ai oublié, Loison Béatrice, je suis navré, mille excuses. Mère du posé Thierry. Matteo Grabo Albert, votre serviteur. Médou Christian. Rogebo Florence. Rudrosti Serge. Tissot Trulard Géraldine. Ubiali Georges. Bernier Thierry, Pivot Romuald,
Adé Martin, Hugo Ali. Très bien. Je constate donc que le quorum, il est atteint. Avant de passer à la suite, je voudrais lire un petit mot. Cette votation, comme diraient nos amis suisses, ne restera pas comme une référence à la bonne santé démocratique de notre pays. Si l'on prend en compte le nombre d'inscrits, nous avons tous été élus avec en moyenne 20% de nos électeurs. Cela ne nous donne pas une grande légitimité. Ce vote traduit un grand mal-être de l'ensemble de nos concitoyens. Ce mal-être, nous y avons notre part de responsabilité. En conséquence, je souhaite que notre Assemblée sache, à travers sa politique sociale, éducative, économique et culturelle, participer à la réduction de ce mal-être. Je souhaite et j'espère fortement que le nouveau président ou présidente saura créer les conditions pour que tous ensemble nous parvenions à cet objectif. Merci. Bien sûr, je donne lecture maintenant du rapport numéro 1. Concernant l'élection du président, l'application de l'article L3122-1 du Code général des collectivités territoriales. L'élection du président du conseil départemental a lieu lors de la réunion de droit qui suit chaque renouvellement. Sont éligibles aux fonctions de président tous les conseillers en exercice. Toutefois, l'article L3222-3 prévoit des incompatibilités avec l'une des fonctions électives suivantes. Président d'un conseil régional, maire et depuis 2017, député national ou européen et sénateur. Les fonctions de président du conseil départemental sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, du directoire de la Banque centrale européenne ou du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France. Du fait du contexte sanitaire, la loi numéro 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire prévoit de façon dérogatoire que l'élection du président du conseil départemental et de la commission permanente, que l'Assemblée délibérante ne délibère valablement que si la majorité de ses membres est présente. Dans tous les cas, un conseiller peut être porteur de deux pouvoirs, conformément à la loi du 31 mai 2021 précitée. Il est en outre à noter que le délégant ne peut considérer comme présent, ne peut être considéré comme présent pour le cas du conflit. L'élection du président se déroule au scrutin secret. L'article L3121-15-2. Au deux premiers tours du scrutin, elle requiert la majorité absolue des membres du conseil départemental. Si l'élection n'est pas acquise après les deux premiers tours, il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative des membres du conseil départemental. En cas d'égalité de suffrage, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge, dont l'âge aurait perdu une chance. En conclusion, et sur la base développée dans ce rapport, je vous demande de bien vouloir vous prononcer sur le projet de délibération figurant ci-après. Bien,
travail crucial.
chers collègues, chers collaborateurs du département, monsieur le contrôleur général, chers amis qui nous regardez actuellement ici à l'hôtel du département, derrière votre écran. Ces premiers mots de présidente élue, désormais réélue, je veux les adresser aux électeurs pour les remercier de leur confiance. Je pense tout d'abord aux électeurs du canton de Metz. Depuis 2001, leur confiance est le moteur de mon engagement. Leur territoire, c'est le mien. Je suis issue de cette ruralité que j'aime et que je n'ai jamais quittée. Je suis issue de ces paysages, de cette terre d'engagement, de valeur, où la solidarité est vécue avec simplicité, où l'on aime la convivialité, où l'on a l'amour du travail bien fait. C'est chez moi, et je veux leur dire ma fierté de les représenter dans cette belle assemblée départementale. Je pense aussi à l'ensemble des électeurs qui ont fait confiance à la majorité départementale. Au nom des 24 élus de cette majorité, je veux les remercier pour ce mandat clair, ce mandat qui nous oblige à aller de l'avant pour faire avancer les causes et pour résoudre les problématiques qui nous tiennent à cœur. Ensemble, nous mettrons notre énergie, nos qualités, nos sensibilités au service d'un projet courageux, ambitieux. Un projet bâti sur des valeurs, sur nos valeurs. Je n'oublie pas les électeurs qui se sont portés sur d'autres listes, ni les très nombreux abstentionnistes. Une assemblée départementale représente les territoires. C'est un peu un parlement de proximité, si vous me permettez cette expression, chère Annick et chère Frédéric. Représenter un territoire, un canton, c'est donc représenter tous ses habitants, électeurs, abstentionnistes, enfants. C'est en défendre l'environnement, la biodiversité, l'attractivité, tout ce qui fonde la qualité de vie. Une qualité de vie pour tous, pas uniquement pour les électeurs d'un camp. Et représenter un canton dans cette assemblée, c'est rechercher le bien du département dans son ensemble, et non l'intérêt isolé d'un canton. Et puisqu'il est question de notre assemblée, je veux aussi, chers collègues, vous adresser mes chaleureux remerciements après ces suffrages, suffrages par lesquels vous me confiez la présidence. J'en suis honorée et émue. Je vais vous faire une confidence. Être présidente de cette assemblée, c'est pour moi autre chose que piloter une administration, autre chose qu'animer nos échanges ou habiter une fonction institutionnelle. Être présidente, c'est agir sur le réel. C'est transformer notre territoire par des politiques publiques, par une volonté, une envie de défendre ce territoire et ses habitants. C'est enfin courir le risque d'innover et d'entretenir ce qui ne doit jamais mourir. Comme je l'ai fait en 2015, je me consacrerai uniquement au conseil départemental. Je ne peux terminer ces remerciements sans inclure nos 38 remplaçants, les femmes et les hommes engagés à nos côtés pendant cette campagne, nos collaborateurs et bien sûr l'ensemble de l'administration départementale restée au travail ces 10 derniers mois avec la restriction d'une période préélectorale. Soyez-en, chacune et chacun, remerciés chaleureusement. Après ces remerciements, j'aimerais revenir un instant sur les enseignements de ce scrutin. Scrutin marqué partout en France par une participation en net recul. Et malheureusement, le tout n'a pas fait exception. Sur les causes possibles, beaucoup a déjà été dit. Période estivale, manque de lisibilité, effet Covid, peut-être indifférence, mépris ou transformation d'une culture politique centrée autour du vote en culture politique d'opinion.
manifeste sur les réseaux sociaux, mais aussi par de nouveaux modes de consommation ou d'engagement. La désaffection de la jeunesse pour le vote en est probablement l'écho. Cet état de fait interroge le fonctionnement même de nos institutions et menace la légitimité. Cela, c'est la proximité. Une proximité indispensable.
de l'attractivité à l'emploi sur certains territoires. Dignité de la personne, mobilité, proximité, trois priorités entendues sur le terrain. Priorité inscrite au cœur de nos engagements et sur lesquelles je suis convaincue que nous pouvons tous nous retrouver. Ces priorités nous invitent à agir sans attendre, car la nouvelle mandature commence aujourd'hui et c'est donc aujourd'hui que nous nous mettons au travail. Dans quelques instants, je vous proposerai la désignation des vice-présidents avec la liste des membres de la commission permanente. Ces vice-présidents ont vocation à constituer à nos côtés, à mes côtés, un exécutif départemental engagé pour que chaque sujet, chaque politique publique ait un élu référent, un élu pilote. Ces délégations ne doivent rien au hasard. Ces délégations ne doivent rien au hasard. Compétence, appétence, volonté. Tout a été pesé pour constituer un collectif au service du Doubs et de ses habitants. Toujours aujourd'hui, nous allons nommer les membres de la commission d'appel d'offres, dont la prochaine réunion est prévue le 12 juillet. Vous l'avez compris, pas beaucoup de vacances sur le mois de juillet, mes chers collègues. Nous allons nommer nos représentants à la commission départementale de la coopération intercommunale et à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, dont une réunion est programmée pour chacune la semaine prochaine en préfecture. Aujourd'hui même, je signerai l'arrêté désignant nos représentants à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Tout cela pour assurer la continuité du service public. Jeudi 15 juillet, nous nous retrouverons pour poursuivre l'installation de la nouvelle Assemblée, pour nous répartir au sein des quatre commissions thématiques du département. Installer ces commissions, procéder aux nombreuses désignations dans les organismes où siège la collectivité. Nous avons, à l'occasion de ce renouvellement, la chance de trouver une collectivité dans une vraie dynamique de projet, avec beaucoup de dossiers, beaucoup de dynamique engagée, une collectivité capable d'avancer. Dès les prochaines semaines, je vous ferai passer le calendrier de travail de notre Assemblée pour ce dernier semestre 2021, qui, vous le verrez, sera le rendez-vous de beaux projets. Dans le même temps, nous allons travailler à formaliser notre projet de mandat à partir de nos engagements, à partir de ce que nous avons entendu sur le terrain, à partir aussi de nos interactions à tous. Mon objectif, c'est de prendre de l'avance pour être au rendez-vous des enjeux de notre territoire, au rendez-vous des solidarités, au rendez-vous de l'attractivité, et nous avons de belles politiques à mobiliser pour y parvenir. Ces politiques publiques constituent un puissant levier avec toute une palette d'actions, de partenaires, d'enjeux. C'est pour mieux vous les présenter et vous donner toutes les informations utiles en début de mandat que j'aurai le plaisir de vous remettre tout à l'heure une petite sacoche avec toute une documentation très bien faite, documentation préparée spécialement pour vous. Comme vous le voyez, nous entrons aujourd'hui dans une dynamique de mandat et dans le vif de nos sujets. Cela me donne l'occasion d'évoquer le fonctionnement de cette Assemblée et la manière de travailler nos dossiers. Cette enceinte doit être, et je m'efforcerai d'en être garante, un espace pour échanger, pour argumenter, faire vivre le débat public, mais aussi, et c'est important de le rappeler, un espace pour s'écouter et se respecter. La courtoisie, c'est aussi la ponctualité, la régularité,
l'investissement au fond des dossiers et le refus des postures ou des procès d'intention. La démocratie locale mérite cela. De même, la démocratie locale mérite des élus, majorité et minorité, au fait des dossiers qui leur sont soumis. C'est-à-dire, et je veux insister sur ce point, des élus qui débattent en commission, qui proposent, qui amendent. Le rôle des commissions thématiques doit être proactif. Ce ne sont pas des chambres d'enregistrement ou de dénigrement. À vous, à nous, collectivement, de les faire vivre et d'y apporter le meilleur de notre engagement pour le mieux. Je sais pouvoir compter sur chacun de vous. Pour les plus anciens de cette assemblée, je sais votre attachement à ces principes. Je sais aussi votre investissement pour les faire vivre et vous en remercie. Quant à vous qui nous rejoignez, je suis sûre que vous apportez avec enrichir encore davantage nos travaux. Cela me permet d'ailleurs de vous accueillir chaleureusement en votre qualité de nouveaux élus départementaux. Bienvenue à chacune et chacun d'entre vous dans cette maison départementale. Elle est désormais la vôtre. Même si j'ai coutume de le dire, nous autres élus sommes juste de passage. Je me rappelle en 2001, mon entrée dans cette enceinte, parmi les Benjamins. Je me rappelle mon enthousiasme, mon émotion, sans doute comme vous. Alors je vous rassure tout de suite, 20 ans après, l'enthousiasme est intact. Je conclurai ce mot de remerciement d'accueil et d'ouverture de cette nouvelle mandature par quelques invitations. Je vous invite tous, chers collègues et chers habitants du Doubs, à profiter de cette période estivale pour aller découvrir l'exposition Courbet-Picasso Révolution qui s'ouvre aujourd'hui et sera inaugurée officiellement la semaine prochaine. Mais aussi le musée départemental Courbet à Ornans et son nouveau parcours muséal rendu possible par des travaux réalisés cette année. Sans oublier les splendides jardins du cercle immense de la Saline Royale d'Arpesnan qui réunissent esthétisme, patrimoine et défense de la biodiversité. Par ailleurs, je vous invite à profiter de cette période pour faire du vélo dans le Doubs et vous rappelle à cet effet notre politique de développement du cyclable. Depuis hier, nous avons installé à la gare d'eau un abri cycle pour vélo assistance électrique avec recharge, avec consigne, à la fois pour développer le cyclotourisme et pour promouvoir une façon plus durable de se déplacer. Enfin, je vous invite à profiter de tous les atouts de notre beau département. Patrimoine, gastronomie, animation en tout genre, à profiter de ce cadre naturel d'exception dans lequel nous avons la chance d'habiter, avec le souci de le respecter, de l'entretenir, car, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a des choses qui ne doivent pas mourir et d'autres inventer. C'est là notre mission. Je vous remercie. Je passe la parole à Monsieur Raphaël Christian. Madame la Présidente, chers collègues, Madame la Présidente, l'Assemblée vient de vous désigner à la tête du département. Permettez-moi de vous adresser, au nom du groupe Le Tour Social, Écologique et Solidaire, nos félicitations républicaines. Nous vous souhaitons de réussir dans votre mission, puisque la réussite des projets départementaux en dépend au bénéfice de notre territoire et des Doubiennes et Doubiens que nous représentons collectivement ici. Au nom du groupe, je tiens ce jour à remercier chaleureusement tous les électeurs et électrices qui nous ont fait confiance.
espoir, une aspiration à faire du commun. Merci aux remplaçants, au soutien, à ceux qui ont discuté, animé le débat, colporté, diffusé nos programmes respectifs. Merci également à nos familles qui ont supporté nos engagements, aux anciens élus et à celles et ceux qui ne l'ont pas été. Si l'effondrement de la participation au vote nous interpelle vivement, et j'y reviendrai, nous devons saluer l'engagement bien réel, lui aussi, de celles et ceux qui se sont mobilisés pour faire battre le cœur de la démocratie. Le tout social, écologique et solidaire est une aventure d'équipe pour laquelle la gauche, l'écologie et la société civile se sont rassemblées. La campagne électorale a été un temps fort, mais la dynamique enclenchée ne s'arrête pas là. Nous continuerons de travailler activement avec tous, de porter les idées mises en avant par notre collectif, en veillant à maintenir ses membres informés et à les concerter pour appuyer nos choix. Nous voilà engagés dans un nouveau mandat de 7 ans. Et pour que vive la démocratie dans cette Assemblée, nous formulons le vœu que tous les avis puissent être exprimés, nos propositions entendues, nos accords comme nos désaccords actés, que nous puissions débattre pour le respect mutuel. C'est aussi ça, la démocratie, pouvoir s'exprimer, échanger et débattre. Vous l'aurez compris, nous ne serons pas dans l'opposition systématique. Nous participerons à la vie de la collectivité de façon constructive, en étant force de proposition et force d'opposition lorsque vos projets ne seront pas en adéquation avec nos valeurs et nos engagements. Répondre à l'urgence sociale, assurer la cohérence territoriale et engager la transformation écologique. Sur la méthode, nous nous engageons à travailler en proximité, à rencontrer les personnes ressources de notre territoire départemental et à être nous-mêmes facilitateurs, à l'écoute et disponibles pour orienter et accompagner si besoin élus et administrés qui en font la demande. Je sais ce que je dois aux électeurs. Je sais ce que je dois à la vie politique. Elle est à mes yeux, je le dis ici devant tous, l'activité humaine, une des plus nobles, car elle sert l'intérêt général, sous réserve bien sûr qu'elle ne soit pas dévoyée ou détournée. Ces mots sont ceux du président Claude Jeannerot, prononcés en 2015. Nous les partageons et souhaitons les partager avec vous tous. Oui, il y a de la noblesse à servir l'intérêt général, dans le respect et la bienveillance de celles et ceux qui nous entourent et plus largement de celles et ceux avec qui nous faisons société. Cet engagement peut redonner à la démocratie quelques couleurs. Dimanche dernier, un électeur sur 3 s'est déplacé. S'il y a une minorité, ça n'est pas seulement notre groupe, c'est nous tous, les élus, les représentants des personnes qui sont allées voter. Cela pose la question de votre légitimité, de notre légitimité, et cela nous impose de travailler en commun pour notre démocratie. Lors de cette campagne, beaucoup de citoyens se sont sentis éloignés des collectivités territoriales. Beaucoup ignorent ce qu'est le département, la région et leur mission. Ce constat, nous le partageons, et nous devons agir, nous, les élus. Pouvoir conquérir le cœur de la démocratie, il faut que les forces vives de cette Assemblée soient légitimement mobilisées et non écartées. Si les élus ne sont pas impliqués davantage, comment les citoyens le seraient-ils? La participation, cela se cultive au sein de cette Assemblée, mais également au sein des associations, conseils d'administration, dans nos banques mutuelles de l'économie sociale et solidaire, dans les conseils d'administration des collèges, dans les associations de parents d'élèves, les entreprises, les syndicats, lors de nos rencontres spontanées auprès des citoyens, habitants, usagers, bref, au plus près des gens. Il nous faut mobiliser les forces vives du territoire pour que chacune, chacun, retrouve le goût du collectif, qui nous a d'ailleurs tous cruellement manqué durant cette période, également marquée par la crise sanitaire. Nos idéaux démocratiques et les acquis républicains que nous défendons ne survivront qu'au travers des rapports que nous saurons entretenir ensemble et avec les Toubiennes et les Toubiens. Merci.
Madame Voider, est-ce que vous pouvez apporter un micro? Alors, la configuration est un peu spécifique aujourd'hui. Alors, je le dis pour certains de nos collègues qui vont faire une réflexion en arrivant directement. Nous sommes dans une configuration spécifique et vous êtes placé par ordre alphabétique. Dès que les conditions permettront, nous siégerons à nouveau à nos places respectives. Vous avez la parole. Madame la Présidente, chers collègues, tout d'abord, permettez-moi, Madame la Présidente, de vous féliciter pour votre réélection à la tête de cette collectivité et souhaiter la réussite des politiques publiques que vous conduirez si elles sont tout entières tournées vers le développement de notre département et le service rendu à ses habitants. Les électeurs dimanche dernier nous ont permis, à Frédéric Barbier et à moi, de siéger à nouveau au sein de cette assemblée départementale. C'est donc avec beaucoup de plaisir que nous retrouvons cette salle Schubert. Vous avez compris, ce plaisir ne provient pas tant de se retrouver ici que de pouvoir, à travers ce mandat de proximité, servir notre territoire et contribuer aux actions extrêmement concrètes qui touchent nos concitoyens dans de si nombreux domaines de leur vie quotidienne. Je voudrais souhaiter la bienvenue à nos nouveaux collègues, avec l'espoir que nous saurons bien travailler ensemble. J'aurai une pensée aussi pour celles et ceux que nous avons côtoyés ici et qui ne sont plus avec nous, que ce soit eux ou les électeurs qui en aient fait le choix. Nous avons gagné cette élection contre des candidats mandatés par les deux groupes représentés ici. Aussi, c'est de manière indépendante que nous siégerons au sein de cette assemblée, avec notre sensibilité de sociodémocrate, qui ne se reconnaissent pas davantage dans l'idéologie libérale du groupe majoritaire que dans les positions défendues par ceux de nos camarades qui sont le plus à gauche de l'échiquier politique. Ce nouveau mandat, nous l'abordons donc avec l'exigence que vous nous connaissez, mais de façon positive, toujours en nous concentrant sur les affaires du département, sans nous tromper de débat en invitant ici ce qui ne relève pas des prérogatives de notre Assemblée. Vous l'avez constaté, Madame la Présidente, au fil des années au cours desquelles nous avons siégé ensemble, nous préférons une attitude de co-construction pragmatique à une opposition dogmatique. C'est dans cet état d'esprit que nous sommes ici aujourd'hui. Nous apprécions, comme vous l'avez souligné d'ailleurs, la manière de travailler au sein de cette Assemblée, où la vigilance et le débat n'ont que très rarement entamé une ambiance sereine et respectueuse. La recherche de l'intérêt général et de l'efficacité des politiques conduites au service de nos concitoyens, c'est une préoccupation partagée par tous. Nous formulons le souhait que cela puisse perdurer. Pour ce qui nous concerne, Frédéric et moi, c'est dans ces dispositions que nous entendons siéger. Les uns et les autres, nous avons écouté, entendu et j'appelle de mes voeux les déclarations des uns et des autres par rapport à la tenue de cette assemblée, par rapport au comportement, mais simplement être au service de l'intérêt général pour l'ensemble de nos citoyens sur notre beau territoire départemental. Alors, nous allons entrer dans le vif du sujet, cette fois-ci, mes chers collègues, donc, avec le rapport numéro 2, qui consiste à déterminer la composition de la commission permanente. Est-ce qu'il faut que je lise le rapport complètement? Oui, je vais le faire, vous n'êtes pas pressé aujourd'hui, on consacre notre journée à cette installation et au fonctionnement de l'institution. Donc, le Code général des collectivités territoriales dispose en son article L3122.5 qu'aussitôt après l'élection du président et sous sa présidence, le Conseil départemental fixe le nombre des vice-présidents et des autres membres de la commission permanente. En
l'application de l'article L3122-4 du CGCT. Outre le président, la commission permanente comprend 4 à 15 vice-présidents, sous réserve que le nombre de ceux-ci ne soit pas supérieur à 30% de l'effectif du conseil, soit pour le conseil départemental du Doubs, au maximum 11 vice-présidents et éventuellement un ou plusieurs autres membres. Le nombre total des membres de la commission permanente est quant à lui librement déterminé par le conseil départemental. Conformément à l'article L3122-15 du CGCT, en cas d'égalité des suffrages pour la composition de la commission permanente, la voix du président est prépondérante. Je vous propose la composition suivante. Un président, 11 vice-présidents, 26 autres membres. Voilà ce que je vous propose. Donc, vous l'aurez compris, l'ensemble des conseillers départementaux siègent, si vous validez le vote, en commission permanente. Je crois que nous avons un accord par rapport à cela sans passer par un vote à bulletin secret, donc je voudrais peut-être vous demander si vous êtes d'accord pour qu'on puisse le valider sur un vote à main levée. Monsieur Dussier, vous voulez prendre la parole maintenant? Voilà. Donc, je fais voter parce qu'il faut qu'on soit en parfaite. Donc, je vous propose le vote à main levée concernant ce rapport. Y a-t-il des oppositions, des abstentions validées à l'unanimité? Donc, je vous propose de mettre le rapport aux voix avec la composition donc de la commission permanente fixée à 38 membres, donc 11 vice-présidents. Qui est pour? Semble-t-il, le rapport est adopté. Alors, la composition de la commission permanente étant maintenant fixée, il convient cette fois-ci de procéder au dépôt des candidatures pour la liste des vice-présidents et des autres membres de la commission permanente. J'invite ceux qui le souhaitent à déposer leur liste de candidats aux différents postes de la commission permanente en respectant obligatoirement l'alternance femmes-hommes. Donc vous avez une heure pour déposer ces listes. C'est le cadre réglementaire. Donc il est 10h. 36, je suspends la séance jusqu'à 11h36. Alors, pendant que nous sommes tous ensemble, avant les uns et les autres de nous disperser, nous pourrions faire la photo de groupe, si vous en êtes d'accord, et puis ensuite on pourra commencer à faire les photos individuelles, pour qu'on ait chacune et chacun, donc, possibilité que nous soyons visibles par rapport à l'ensemble des citoyens sur les différents documents. Voilà, donc, retour à 11h36. Pour les photographes, je crois qu'on avait prévu ça dans le magnifique parc